Eh bien, salut à tous, à toutes et entre les deux, bien sûr, j'espère que vous allez aussi bien que moi. Et aujourd'hui, je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Parce que, comme vous le savez, je vis de mes vidéos. Dans le sens que, comme vous le savez également, si, à part si vous ne regardez pas la chaîne, enfin mon contenu le mieux au cube, c'est que je ne vis que si je filme. Donc, tout ce que je fais, je le filme. D'une certaine manière. Voilà. Bientôt. Ce sera dans un tout nouveau lieu, étant donné que ma porte est à peu près magique. Elle m'emmène où je veux, même si c'est pas réaliste, parce que je suis un personnage de fiction, tout simplement. En tout cas, du coup, je vous retrouve donc déjà dans ce tout premier épisode de J'achète. C'est la série J'achète. Voilà, épisode 1. Je vais même directement tourner après le deuxième épisode, parce que les deux choses que j'ai achetées n'ont rien à voir. N'essayez pas de se dire, hey, il est peut-être connecté. Cette fois-ci, ça n'a rien à voir. À part si on veut vraiment chercher très loin, mais je le ferai. Mais pas pour lier ces deux contenus quand même. Le premier truc que j'ai acheté, c'est ça. Alors oui, c'est un jeu. J'aurais pu faire comme si je le déballe, parce que là, il y a encore son plastique. Mais en vrai, c'est pas du déballage. C'est vraiment, je l'ai acheté. Donc, voilà. Et oui, je ferai directement après toutes les vidéos que je veux là-dessus. Il y en aura trois. Voilà, ça sera une trilogie comme on veut, mais je vais pas essayer de les contextualiser et tout. Cette fois-ci, à chaque fois, maintenant, avec le moi, je ne fais que les vidéos avec ce que j'ai. Et c'est tout. Il n'y a pas à contextualiser, j'ai pas essayé de me dire, ouais, je suis avec tout le reste. Il y aura quand même les séries complètes qui vont être remplies par les moi-jeux. Par exemple, la trilogie sur Dere Vengeance le sera. Dans le Absir Complete Series, mais c'est tout. Bref, voilà le jeu où j'ai retiré le plastique, et donc voilà le dos. C'est marqué le combat de Samus est loin d'être fini. Découvrez une remasterisation complète de Metroid Prime. Survivez et explorez à travers les yeux de Samus. Vivez une aventure immersive à la première personne, optimisée pour Nintendo Switch. Maîtrisez les commandes fluides dans différentes utilisations. Ah, vous voyez ma notif. C'est marrant. C'est très... C'est pas anti-reflet. Bon. Bref. C'est comme mes lunettes, en fait. Faudrait que... Je change de lunettes. Oui, j'en ai deux paires. Hein. J'ai celle-ci et les roses que vous connaissez peut-être aussi. Bref. Donc. Ok, c'est... Eh hey, c'est un... C'est... une version... c'est quoi, déjà? Je vais dire une image reversible, parce que j'ai oublié ce que c'est. Bref. Voilà la deuxième image. Voilà. Je serais pas laquelle est la mieux en vrai. Voilà. Donc. Voilà le jeu, comme d'hab, hein, ils sont tout petits sur Switch. Je suis en train de me... Et je vais essayer de voir, vu que c'est un jeu Switch et tout. Je me demande combien de points Nintendo ça me donne. Et pas des points Nintendo. Pour ceux qui auront la ref. Mais du coup, c'est bon, ma Switch est activée. Donc, c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'ongles, moi. Voilà. Le jeu qu'il y avait dedans, c'était Nier Automata. Parce que je suis un énorme fan de Nier Automata, donc j'ai pris la version Switch. Qui a une optimisation pour la Switch. Qui fait vraiment... C'est sur Switch, donc on va on a optimisé le gameplay. Et ça, je trouve ça incroyable. Alors, je mise sur 40 points, vu que ça m'a coûté 40 euros. Et d'ailleurs, j'ai même Samus pour l'image. Ça me donne exactement 40 points, et vous pouvez voir justement que j'ai Samus. Nice. Je les ai reçus, parfait. Donc, cela étant fait, je peux reposer le jeu. Remettre l'ancien jeu ici. J'ai toujours pas d'ongle. Oui, parce que j'ai enfermé, parce que je suis un connard. Tout simplement. Donc, voilà. Voilà. Je repose ce jeu. Même si j'y jouerai très certainement. J'ai hâte. Voilà.
J'éteins ma Switch. Et je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, que ce soit ce court passage ou depuis le début. J'espère que cette vidéo vous aura plu, comme justement ce que j'ai pu faire par le passé, que ce soit le Mew V2 ou ce Mew au cube. Et pareil pour ce qui suivra. J'espère que ça vous plaira tout autant. Et moi, je vous dis donc à une prochaine vidéo, même si pour moi, personnellement, ça sera juste après. Allez, bye bye!